Hey les dudes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo après le tournoi Speed Duel Invitational Final 2019. Je vais essayer de vous faire un max de retours sur tout ça, mes impressions, mes duels, les personnes que j'ai rencontrées, les trucs cool. Et vous allez voir qu'absolument tout était cool dans ce tournoi. Je vais essayer de vous faire un point sur tout ça. Et puis c'est parti, intro. Aïe, ça ouais, j'ai toujours pas d'intro. Bon, et ben on va commencer à parler sans plus attendre de mon arrivée sur Paris. Donc on est arrivé le samedi avec mon beau-frère, on a pris le train sur le coup des 18h, quelque chose comme ça, et on est arrivé à 20h. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait rendez-vous au restaurant à 20h30. Nous on est arrivé à Massy et on avait rendez-vous à Levallois. Donc pour ceux qui connaissent Paris, moi je ne connaissais pas du tout, mais en gros il y a une demi-heure pile poil s'il n'y a pas d'embouteillage. Donc du coup Webedia nous a proposé nous amener du point A au point B via des taxis-motos. Alors moi j'étais un peu stressé parce que d'une part je connais pas trop l'univers de la moto, et d'autre part parce que je ne connais pas Paris non plus. Donc je me suis dit, mais attends, les motos dans Paris, tout ça c'est un peu bizarre. Et en fait c'était juste top. Les mecs en moto étaient ultra cool, c'était des grosses bécanes, je vous en mets une photo. C'était stable, bon, ils roulaient un peu, je peux pas dire comme des fous parce qu'au final ils roulaient très très bien, mais c'est vrai que c'était totalement différent de ce qu'on a pu connaître avec le Uber en revenant. Je vous expliquerai ça à la fin. Et pour le coup, c'était plutôt cool. On arrive au restaurant à 20h32, quelque chose comme ça. Les gens n'étaient pas encore rentrés. On arrive, je commence à serrer des mains. Des personnes que je connaissais pas forcément, je serre la main d'une personne et il me regarde, il me fait: Ah, moi c'est Yugi Muto 91. Je fais: Oh, trop stylé. Je croise Lama qui fait le con en me disant: Ah, oh, trop bien, je connais vos vidéos, je suis abonné, est-ce que je pourrais avoir un autographe? Moi, truc trop cool. Et puis ben, on rentre à l'intérieur du resto, et en fait j'étais l'une des seules personnes, quand je reprends la communauté Yu-Gi-Oh! Des vidéastes tout simplement, qui ne connaissaient personne. Donc eux en fait ils se sont installés entre eux, et vu que nous on arrivait à la fin, vu qu'ils étaient déjà en train de rentrer, ben on s'est installé un peu comme on pouvait finalement avec mon beau-frère, et on s'est installé à côté des mecs de chez Trash. Et c'était juste trop cool, ils étaient super sympas, on a bien rigolé. Au bout de 20 minutes, il me demandait mon numéro de téléphone pour blaguer, etc. Il a appelé mon beau-frère Steven pendant tout le repas parce qu'il arrivait pas à retenir son prénom. Enfin, c'était vraiment cool, on a passé un bon moment. Suite au repas, alors le truc cool avec ce repas-là, c'est que ben, pendant le repas, Konami nous a fait passer des boosters Speed Duel. Voilà, c'était juste cool. Enfin, c'était le truc un peu fun. Enfin, ça m'était jamais arrivé. Et pour le coup, c'est vraiment stylé. Il y a énormément de trucs qui sont trop stylés dans cette vidéo. Je vais sûrement répéter ces termes, bah, de très nombreuses reprises. Mais là, pour le coup, c'était cool. Donc, on a tous reçu les invités, les joueurs, des boosters. On a ouvert. Pas de bol, j'ai rien eu, mon beau-frère non plus. Je crois qu'Obscurity a sorti Sphère Kuribo, quelque chose comme ça, parce qu'il s'est mis à gueuler, bah, comme d'hab dans ses vidéos. Mais là, c'était dans le restaurant. Et voilà, ça c'est plutôt stylé quand même. On a mangé tranquillement, donc c'était une crêperie. Donc on a eu des crêpes en repas et une crêpe en dessert, avec boisson, etc. Donc c'était cool. On est parti. Donc je vous l'avais raconté dans la vidéo où je vous annonçais cette nouvelle-là, que je participais au tournoi Speed Duel, qu'avec mon beau-frère, on ne dormait pas dans le même hôtel que tous les joueurs, puisqu'on avait déjà réservé avant, qu'on ne pouvait pas annuler, etc. On arrive dans l'hôtel et c'était presque un sketch. Déjà, l'entrée ne faisait pas entrée. On a été accueillis, ne trouvait pas notre réservation. Quand on arrivait dans la chambre, je sais même pas comment imaginer. Il y avait plein de trucs qui allaient pas. J'ai pas pris de photos, c'est dommage, sinon ça aurait pu vous faire rire. Mais en gros, ma prise électrique à côté de mon lit ne marchait pas. La lampe de mon beau-frère tenait avec du scotch. Enfin, voilà, plein de trucs assez drôle. Au final, je rigole maintenant. Sur le moment, j'étais un peu genre, ouais, très très bien. Donc voilà. Le lendemain matin, on part du coup pour aller chez Webedia. Donc on avait 10 minutes, un quart d'heure de marche. Donc on passe au McDo d'abord, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de petit déjeuner dans l'hôtel où on était. On passe au McDo, on prend de quoi manger, on part chez Webedia. On arrive, on était dans les premiers, puisqu'on avait rendez-vous à 11h30, si je me trompe pas. Et nous, on a dû arriver sur les coups des 11h15. J'ai fait la rencontre d'une personne super cool, qui était autre qu'un arbitre, qui m'a montré ses classeurs, etc. On a grave discuté. Et après, tout le monde est arrivé, on a commencé à se dire bonjour, etc. Et ça, c'était plutôt cool. Donc, une fois que tout le monde est arrivé, on est rentré à l'intérieur. On a commencé à se diriger vers une porte. Doc Seven faisait le con en disant: Ah, là, c'est les toilettes, vous allez voir, c'est important. Ah, ça, machin. Et finalement, en fait, c'était pas du tout la bonne entrée. Donc, on a tous dû faire demi-tour pour tous aller à un autre endroit. Donc, c'était plutôt drôle. C'était vraiment une bonne ambiance générale finalement. Moi personnellement, je connaissais pas grand monde, je connaissais beaucoup de monde à travers les vidéos, mais voilà, c'est toujours quelqu'un qui parle derrière un écran, c'est pas comme si tu connaissais la personne en vrai. Et il y a vraiment cette ambiance
bonne ambiance, bon enfant, ambiance générale. Donc on arrive, donc en fait là où on est arrivé, il y avait trois salles différentes. Il y avait une salle d'accueil finalement avec un bar. Je vous mettrai quelques petites photos parce que c'est l'endroit également où il y avait les vestes de GX, donc la veste jaune, la veste rouge et la veste bleue. C'était plutôt cool, un petit décor, etc. Il y avait une deuxième salle où il y avait les duels en off qui se réalisaient, là où j'ai joué la plupart du temps malheureusement. Et il y avait la troisième salle, et ça c'était juste ouf, où il y avait du coup le décor que vous avez pu voir en stream pour ceux qui ont regardé. Donc avec les écrans derrière, les flammes, les tables de duel, les caméras, etc. Et ça, c'était juste dingue. Pour le coup, Konami a vraiment mis le paquet sur tout ça. Et c'était vraiment génial. Le décor, l'ambiance, l'orga, tout était vraiment top. Un truc qui m'a vraiment fait plaisir, j'en ai déjà parlé juste avant, mais vraiment, je tiens à insister là-dessus parce que c'était ouf, c'est qu'il n'y avait aucune différence entre les joueurs. Vraiment, tout le monde se mélangeait. Moi, j'ai pu discuter avec le roi des rats quand il faisait son deck. Je vais pas dire que je l'ai aidé, mais je lui ai dit, ça pourrait être pas mal de mettre ça à la place de ça, etc. Je sais pas, au final, j'ai pas vu sa decklist finale. Peut-être qu'il a utilisé ça, mais c'est cool, on a pu discuter. Pareil avec Doc7, qui m'a demandé des Ryoku parce qu'il en avait besoin, mais vraiment, cette proximité. Maxidane qui est venu parler à la fin des duels, on a discuté ensemble. Et donc là, évidemment, je parle des gros influenceurs, mais entre tous les petits influenceurs, moi je me considère comme minuscule par rapport aux autres. D'ailleurs, je pense, non, il y a Kate qui avait moins d'abonnés que moi, mais finalement j'avais 1400 abonnés. Voilà, le roi des rats, ça vous donne une petite échelle. Et finalement, tout le monde se mélangeait, il n'y avait aucune classe sociale finalement, et c'était vraiment cool parce qu'au final, la seule chose qui nous rassemblait, c'était le jeu de cartes. C'était pas les abonnés, c'était pas la communauté, c'était vraiment, on était là pour le jeu de cartes et on partageait ensemble notre passion du jeu de cartes. Et ça, c'était vraiment, c'était top, quoi, tout simplement. Bon, j'ai fait un peu le point sur l'ambiance, les joueurs, etc. Je vais faire maintenant un point sur tout simplement les duels que j'ai fait. Donc, j'ai pas fait un très bon score, mais j'en suis content quand même parce que je jouais Toon. Je vous l'avais annoncé, je vous avais présenté ma decklist. Alors, c'était pas tout à fait la même que j'ai joué finalement, mais ça restait du Toon pur, voilà, de l'archétype Toon pur. Et puis voilà. Donc, premier duel, je joue contre Greg TCG. Il joue à la canne, donc une version à la canne amazonaise. Je crois qu'il jouait. Dans son deck à la canne, je crois qu'il y avait 6 cartes amazonaises au total, et le reste c'était dû à la canne. Donc, premier duel contre lui, je joue premier, naturellement, parce que moi, c'est mon avantage de jouer premier pour pouvoir invoquer mes toons. Dans tout le cas, ils peuvent pas attaquer premier tour, etc. Lui pioche 5, parmi les 5, il avait valet, roi, reine, poli. Il sort à la canne tour 2, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, je perds, malheureusement, ce premier duel. Deuxième duel, il joue défond. Je crois qu'il joue premier sur le deuxième duel. Il joue défond, il top détruire 2 cartes. Il détruit mon school et mon détoon. Je peux pas remonter. Clairement, je peux pas remonter. Donc, je perds 2-0 contre Greg TCG. C'était quand même un duel fun. Et vous allez voir que finalement, la poule qu'on avait, qui était constituée de Yubel, Greg TCG et moi-même, c'était une poule qui était extrêmement forte puisqu'on a tous fait 1-1-1. On a tous gagné l'un contre l'autre. Et c'était la seule poule qui est ressortie en entière dans les 8e et dans les 16e. C'est quand même dingue, non? Enfin, c'est ouf. Enfin, je trouve ça absolument cool. Deuxième match que je joue donc contre le poteau Yuvel. Je gagne 2-0 contre Yuvel. Je gagne le premier match, on va dire, à la loyale. Le deuxième, je l'ai gagné sur un misplay de sa part. Je trouve ça nul. Moi, j'ai proposé un reroll du match. L'arbitre a dit non, trop tard. Il a accepté la défaite. C'est 2-0. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a oublié d'activer un effet tout simplement qui allait détruire mon school au tour suivant. Je crois que c'est avec le village ou avec l'héritage. Je ne sais plus. Je connais pas très très bien le deck. Ce qui est sûr, c'est que quand il a fait l'action, ça me paraissait bizarre et je lui ai dit, t'es sûr qu'il manque rien là? Enfin, il n'y a pas un effet activé. L'arbitre, donc Jacques-Yves, est venu et a demandé ce qui se passait. Yubel a dit non, c'est sûr, c'est à toi de jouer, etc. Moi, tour d'après, j'attaque avec mon school, je gagne. On range les decks et il se rend compte qu'il a fait un misplay. D'ailleurs, je crois que c'est quelqu'un de la team Ixid qui lui a dit, mais t'es sûr qu'il n'y avait pas ça à faire? Je crois que lui-même s'en était pas rendu compte. Et voilà, je gagne. J'ai proposé de refaire, c'était pas possible, on pouvait pas, vu qu'on avait mélangé nos decks, enfin rangé nos decks, c'était pas possible de revenir, etc. Et du coup, voilà, j'ai gagné sur un misplay. Je m'en excuse encore, Yubel. Sur le moment, je m'en suis vraiment voulu, même si c'était pas de ma faute, mais je trouvais ça nul, vraiment, c'est pas dans mon éthique. Voilà, suite à ça, les matchs de poule se sont terminés. Yubel a gagné contre GrecTCG, GrecTCG a gagné contre moi, et moi j'ai gagné contre Yubel. Donc on avait tous un partout pour nous départager, pour faire un classement et savoir qui sortait et qui allait au repêchage. Et bien, c'est tout simplement au life point. Et pour le coup, les Toons sont le pire deck pour ça. Je ne le savais pas, mais dans tous les cas, j'aurais quand même joué Toon, même si j'étais au courant, parce que c'est mon deck de cœur, ça me faisait plaisir de jouer ce deck-là. Donc, bon, vu que je paye mes life points pour attaquer avec mes Toons, et bien, j'ai fini 3ème de la poule, donc je suis allé au repêchage, et Yubel est sorti.
Du coup, je me suis retrouvé au repêchage à jouer contre Mangaka 96. Je sais pas si le 96 est pour ton année de naissance, mais si c'est le cas, on est la même année. Big up, mec. C'était un Italien, il était ultra cool. Vraiment, son anglais n'était pas très bon. Enfin, sûrement meilleur que le mien, mais en tout cas, il y a des moments où on avait du mal à se comprendre. Je parle très mal anglais, enfin, je vais dire que je me débrouille. Mais par exemple, pour lui expliquer pourquoi mes toons ont le droit d'attaquer directement ses life points, c'était pas forcément très simple. Ce qui est sûr, c'est que j'ai gagné le premier match. En fait, j'ai gagné, on va dire, grâce à Lama, et je t'en remercie, mec. Lama m'a dit, si tu joues contre Blue Eyes, fais attention, parce que Blue Eyes, son objectif, c'est d'OTK. Donc, ne le laisse jamais jouer en deux. Ça m'ennuyait parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, moi il faut que je joue en premier avec mes toons pour gagner un tour et potentiellement passer l'OTK après derrière. Mais je me suis dit Blue Eyes est quand même très très fort, le fait de pas pouvoir cibler etc c'est très gênant pour moi, notamment avec mes Kunai Shen. Donc j'ai laissé jouer en premier. Premier duel du coup ben, je gagne en lui collant un school et après je fais school rembobinage sur school deuxième tour. Et du coup, bah, je colle en gros 7500, mais voilà, c'est l'idée. Deuxième match, il choisit de me laisser jouer premier. Il joue deuxième, il me colle OTK, un gros OTK SMR. Et du coup, troisième duel, j'étais en pression. On avait 1-1, vraiment, c'était. Je savais que si je perdais, c'était mon dernier duel de la journée, donc j'avais la pression. Et en même temps, il y avait cette ambiance de ultra fair play. Il était grave cool, il rigolait quand j'attaquais, il rigolait quand je contrais. Ça me faisait marrer quand il sortait son beau jeu. J'ai gagné, voilà, j'étais content de gagner quand même, mais big up à toi, c'est content de voir que finalement la langue n'est absolument pas une barrière pour jouer. Je me suis rendu compte après que ce mec-là avait 170 000 abonnés, et encore une fois, ça retrouve bien ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est qu'on était là pour jouer aux cartes, et c'était génial quoi, vraiment c'était cool. Et du coup, suite à ça, eh bien, je suis passé à mon quatrième duel qui était le dernier des duels. J'ai joué contre Volt, donc big up à toi, Volt. C'était, alors j'étais content parce que c'était mon premier duel sur la scène, malheureusement c'était derrière. Ça s'est passé très très vite, il avait Amazoness, il jouait très très bien Amazoness. Il avait la compétence qui permettait de regarder ma main, donc première draw, je draw une main de ouf. Il décide de la faire, de me faire repiocher. J'ai une main moyenne dans la main, du coup, il gagne. Et deuxième duel, donc il gagne 1-0. Deuxième duel, je pioche la pire main. Je crois que j'avais style monde, kunai et genre deux school, quelque chose comme ça. Un truc que je pouvais rien faire finalement. Et bah, du coup, il décide de me la laisser naturellement. Il gagne. Le duel a été très très rapide. Mais encore une fois, c'était super cool. C'était ultra fair play. Je suis déçu de pas avoir joué devant la scène, j'aurais bien aimé, mais c'était pas le cas. Et du coup, au final, j'ai fait ce classement-là. Donc j'ai fini, du coup, alors je sais pas si c'est les 16e ou les 8e, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Sur le tableau, c'est marqué 8e, donc on va dire que j'ai fini, j'étais éliminé en 8e. J'ai joué contre Alakan, j'ai perdu 2-0. J'ai joué contre Amazoness de Yubel, j'ai gagné 2-0. J'ai joué contre Blue Ice de Mangaka 96 et j'ai gagné 2-0. Et j'ai joué contre les terribles Amazoness de Volt. Volt qui finit 4e avec Yubel. Donc ça, c'est grave cool parce que du coup, c'est cool de voir que les personnes contre qui j'ai gagné ou perdu sont allées aussi loin. Bah, du coup, c'est cool pour moi et c'est cool aussi de se dire que bah, même si j'ai battu Yubel, il a été aussi loin et... c'est génial, hein, tout simplement. Et du coup, j'ai perdu contre Volt 2-0 sur la scène. C'était mon seul passage sur la scène. On m'a vu très brièvement. Mais puis surtout, j'étais derrière. Je crois qu'il y avait Lama et Xari devant. Donc, bon, c'était pas concentré sur nous. Mais c'était quand même plutôt cool. L'autre truc ouf dans ce tournoi, vraiment, c'était, il y avait que des dingueries. Mais celle-là, c'était vraiment l'une des meilleures expériences de ma vie. Il y avait Laurent Sao qui est venu. Donc Laurent Sao, pour ceux qui ne connaissent pas, et je vous avoue que je ne connaissais pas avant de le rencontrer, c'est tout simplement la personne qui fait la voix de Yugi dans l'anime. Et il est venu jouer sur la scène. Il y a deux choses ouf dans cette histoire-là, même peut-être trois. C'est la premièrement qu'il soit venu, ça c'était cool. Et deuxièmement, en fait, j'étais pas du tout au courant. On a vu cette personne parler, mais finalement, personne ne savait trop ce qu'il en était. Enfin, personne s'est retourné plus que ça. Il y a Yugi Muto qui était hypé de ouf, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais en tout cas, je les ai pas vus. Et moi, j'étais dans la salle des duels qui n'était pas devant la caméra et je discutais avec la personne de Shikonami. Et du coup, je lui demande, bah, j'ai vu qu'il y avait une pause qui arrivait. Qu'est-ce qui va se passer? Il m'explique que bah, Laurent Sao, c'est la voix de Yugi Muto saison 1. Enfin, de l'animé, tout simplement, et qui va venir jouer avec Zulu, Xari, etc., sur la scène pendant un petit duel. Et je lui dis, mais attends, tu sais, sur ma chaîne, je présente les decks saison 1, et je les ai sur moi, je les ai amenés.
Et il me fait, ça pourrait être une bonne idée, essaye de voir avec Zulu. Donc je vais voir Zulu sur la scène, je lui propose. Zulu me dit, bah, j'aimerais bien voir tes decks d'abord. Je pense qu'il avait un peu peur que ce soit des decks un peu rincés. Il les regarde, il voit que c'est des bons decks. Il me dit, bah, ok, on les prend. Donc ils ont pris Yugi, Kaiba. J'ai eu l'honneur que mes cartes soient jouées par, bah, d'une part Zulu, c'était plutôt cool. Mais également Laurent Sao. Et de l'autre côté, il y avait Vince. Donc Vince, le boss des tournois en France et dans le monde, on va dire, entre guillemets. C'est vraiment quelqu'un d'ultra accessible. Quand j'étais gosse, c'était déjà quelqu'un qui topait à mort, et aujourd'hui bah, c'est toujours quelqu'un de super cool qui est encore dans le game, etc. Et donc Vince et Xari qui eux ont joué mes cartes de Kaiba, tout simplement. Je vous mets un petit extrait de ce duel, et je vous avoue qu'en regardant la vidéo, j'en ai encore des frissons de ouf. J'invoque le magicien des ténèbres. Oh le crack. Ça y est, vous les avez vous aussi, les petits frissons, les poils hérissés. C'est un truc de dingue, non? Ce qui est encore plus ouf, c'est que de savoir que ben, Laurent Sao, Yugi, entre guillemets, a invoqué mon magicien des ténèbres. Alors, je suis un peu deg parce que j'y ai pensé. Après, j'aurais beaucoup aimé lui faire dédicacer. En fait, quand j'y ai pensé, je ne l'ai pas retrouvé. C'est dommage, mais c'est pas grave. L'expérience était juste ouf. Je suis très content. Du coup, Xulu a parlé de mes vidéos, du coup, saison 1, sur le stream. Et je pense que c'est grâce à ça, j'ai gagné quelques abonnés. Et les vues sur le Google Analytics vont toutes, presque toutes, sur ces decklists. Donc, c'est grave cool. Ça fait super plaisir de voir que bah, ça vous plaît. Et encore une fois, j'ai des deck profiles qui arrivent de saison 1. Le prochain, c'est Mai, vous le savez, je vous l'ai dit. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent très bientôt et ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, le passage de Laurent Sao était juste mémorable. Grosso modo, je vous ai presque présenté toute la journée. Le stream a commencé pour nous vers 15h et s'est terminé aux alentours de 22h, grosso modo. C'est Lama qui a gagné, le poteau Lama. Je vous mets une petite photo. Je trouve que c'est la meilleure photo qui a été prise. Il a vraiment du flow sur cette photo. Lama était quelqu'un de super cool. Pour le coup, j'avais déjà discuté beaucoup avec lui avant. On a fait un deck profile ensemble. Vous le retrouverez sur sa chaîne très bientôt, je pense. Et voilà, c'est quelqu'un de très accessible. Il a gagné le tournoi. Je suis très content parce que quand on regarde le classement, du moins pour les 16e par exemple, il y a presque tous les youtubeurs Yu-Gi-Oh! Français qui sont ressortis. Ça veut quand même dire que bah, on n'est pas là juste pour faire joli. On connaît le jeu, on apprécie le jeu et c'est quand même plutôt cool. J'étais un petit peu déçu pour ma part de ne pas aller plus loin avec Toon, mais quand je vois les decks qui ont fini, notamment les cartes par exemple, Amazoness Harpy, Toon avait clairement pas sa place, ne pouvait pas gagner contre ces decks-là ou sur un malentendu ou sur de la chance. C'est pas grave, moi je suis content d'avoir été jusqu'ici, Toon a bien fait son taf. Visiblement, apparemment, Xari avait envie de voir Toon sur la scène, mais alors, encore une fois, on m'a dit, puisque je n'ai pas regardé le live en même temps que vous, j'attends le replay de le stream, mais visiblement, le moment où j'aurais pu passer sur la scène, c'est un moment où Xari allait jouer, tout simplement, et donc, bah, par défaut, c'est Xari qui passait devant la scène, puisque bah, en termes de visibilité, il en avait naturellement beaucoup plus que moi. Voilà, j'ai essayé de vous présenter un maximum dans cette journée, tout était top, l'organisation, l'ambiance, les joueurs, tout était génial, vraiment c'était top, et à la fin de la journée, après la victoire de Lama, Konami nous a fait des cadeaux, nous a proposé de récupérer des Funko Pop, tout simplement. Vu que moi je les ai déjà toutes les 4, je vous ai déjà présenté sur la chaîne, j'en ai quand même pris une en disant que c'était pour vous, tout simplement pour la faire gagner. Encore une fois, c'est des on m'a dit, mais visiblement vous étiez très nombreux dans le chat à me soutenir, à mettre des messages. Pareil, en tout cas ça j'ai pu le vérifier sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur des messages privés, sur Twitter. C'est vraiment ouf et du coup, bah, naturellement, voilà, c'est pour vous remercier. Simplement, encore une fois, d'être là, d'être aussi exceptionnel. Pour participer, c'est comme d'habitude très très simple. Tu aimes la vidéo, tu t'abonnes, tu mets la cloche si ça te fait plaisir et tu laisses un petit commentaire en disant que tu participes. Et dis-moi quand même si tu as regardé le live ou pas, juste que je sois curieux. C'est pas une condition de participation, mais moi je suis curieux de savoir un petit peu ce qu'il en est. Avant de terminer cette vidéo, je fais juste un tout petit pop-up. Je me suis mis à Instagram sur les conseils d'Obscurity et vous êtes déjà genre une cinquantaine à me suivre. C'est cool, je vais essayer de partager un max de photos avec vous, peut-être un peu des previews de vidéos, un peu comme je le fais déjà sur les autres réseaux sociaux, mais l'idée c'est de partager un maximum de choses avec vous, un maximum de temps avec vous, et bah, c'est toujours un petit plus, donc voilà, je vous invite, le lien dans la description, je vous invite à aller checker, follow si c'est cool, ça fait pas partie du concours, mais c'est toujours cool de vous voir aussi nombreux un peu partout. Je crois qu'on est pratiquement, on est plus de 600 sur Facebook, je crois qu'on est plus de 500 sur Twitter, enfin, c'est cool, on est bientôt 1500 sur la chaîne et ça c'est vraiment très très cool. Et puis voilà, on va maintenant conclure avec cette vidéo. Voilà, elle est terminée, j'ai essayé d'être
plus précis possible sur un maximum de choses. C'était vraiment une journée de dingue. Merci beaucoup à Konami pour l'invitation. Merci beaucoup à Webedia pour l'organisation. C'était top. Vraiment, je le répète, mais c'était vraiment une journée absolument exceptionnelle. Que ce soit pour moi en tant que joueur, que ce soit pour mon beau-frère en tant que viewer, il y avait énormément de choses à faire, à voir, à participer, à échanger. Tout le monde était ultra accueillant, accessible. Et ça, c'était vraiment très très cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce live vous a plu. Vraiment, j'espère que c'est quelque chose qui sera réédité, refait à nouveau. Je crois qu'en moyenne, il y avait 6000 viewers en même temps. Enfin, je me dis 6000 joueurs qui jouent à Yu-Gi-Oh! En même temps. C'est dingue, surtout sur presque toute la longueur du stream. Et ça, c'est ouf. Moi, j'étais très content de participer à tout ça. Je suis content que vous ayez été là pour me soutenir. J'espère que vous participerez à ce concours parce que vraiment, c'est la pop de la récompense pour vous remercier, tout simplement. Et puis moi, je vous dis, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, ciao! Allez, plus. J'ai oublié de vous dire, le lundi, on est arrivé, je suis passé très brièvement chez Konami. Je pensais avoir plus de temps et finalement non. Du coup, cette fin de vidéo, c'est tout simplement des clichés et quelques petites timelapses de chez Konami, ce qui s'est passé, leur déco. Et puis voilà, allez, à plus. Ciao!